Hello les gens, c'est le 3. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. En fait, ça va être une sorte de vlog en fait, parce que comme vous savez sur ma chaîne, on voit beaucoup souvent, enfin on a beaucoup souvent dans mes vidéos, beaucoup souvent, on a souvent dans mes vidéos Kitsu. Et aujourd'hui, c'est un jour assez spécial vu qu'il va venir chez moi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas filmer tout ça. Et en plus, ce soir, on va inviter un autre pote qu'on voit souvent dans mes lives qui s'appelle Nico. Vous avez juste à regarder quelques-uns de mes lives et vous entendrez souvent le mot Nico. Et du coup, voilà, on va se faire une petite soirée à trois tranquillou. Et puis voilà, je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Donc déjà, première complication, en fait, j'ai un micro que j'attends pour mes vidéos. Et en fait, bah, UPS l'a livré dans la mauvaise boîte aux lettres. Merci UPS. Je vous adore. Allez, on y va cette fois. Normalement, en vrai, je devrais rien avoir à filmer après ça. Normalement, je devrais partir directement chercher les sous. Allez, alors je sais que je vous ai dit que ça serait la dernière partie avant qu'on aille chercher Kitsu, mais en fait mon voisin m'a apporté mon colis, du coup je me suis dit pourquoi pas le faire au KLM. Du coup, alors par contre attendez, c'est un peu la galère des familles, parce que je suis qu'à une main, je vous le rappelle, et du coup c'est pas facile pour ouvrir cette merde. Tac. Donc je vous présente ça et après je vais l'installer et je vais vous montrer ce que c'est en direct sur mon setup, histoire de vous montrer mon nouveau setup. Tac tac tac. Je peux le faire, Voltra. Bim. C'est un microphone. Je sais que je suis la seule personne au monde à dire microphone, mais voilà, c'est un micro de la marque Tonor et il est bleu. Voilà, c'est un micro super apparemment, du coup je me suis dit je vais l'acheter. Bon, je l'installe et on se retrouve tout de suite. Allez, salut. Et donc voici la bête. Alors déjà le pied je l'avais reçu avant-hier. C'est un pied magnifique qu'on peut verrouiller et tout. C'est vraiment super beau. Tout est bien fait, tout est bien mécanique et tout. C'est magnifique. Le filtre anti-pop qui était fourni avec le pied. N'hésitez pas, hein, si vous voulez acheter la même chose que moi, c'est-à-dire le pied, le filtre anti-pop et le micro, je vous mettrai des liens dans la description de ce vlog. Donc le filtre anti-pop, magnifique. Le micro en lui-même était venu avec un filtre anti-pop qu'on pouvait équiper. Donc le micro est de la marque Tonor, je ne sais pas si vous voyez bien. Je sais d'ailleurs la police d'écriture, mais je vous montrerai plus tard. Et le micro est magique. Et l'enregistrement du son est juste fabuleux, en tout cas sur Audacity, donc forcément il est fabuleux partout. Donc voilà, c'est juste magique. Voilà, c'est un micro. Attendez, je vais vous montrer ça sur Amazon au pire. Je vais essayer de faire ça vite fait avec la calculatrice. Ça vient compléter mon setup de magie. C'est parti. Alors, votre compte, commande. Je vais éviter de vous montrer ça maintenant, mais putain, admirez ce micro des familles. Le setup de folie pendant que je fais le calcul. Voilà, vous en avez pour 53,98€ avec le micro et tout le reste. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter, hein. Franchement, je vous le recommande, hein. Qualité magnifique, franchement. Je suis trop fier de ce setup. Voilà, je me suis dit, je vais m'acheter un micro. J'ai pas regardé forcément beaucoup de choses, j'ai juste, alors déjà à la base je voulais juste acheter le micro avec un stand et j'ai trouvé ça, le pied, magnifique pied avec filtre anti-pop avec, et quand vous savez que un filtre anti-pop des fois à l'unité ça vaut le prix du kit que j'ai, et pareil pour le pied, putain c'est juste magique quoi, c'est une super affaire et franchement je vous recommande, hein, si vous avez pas bien vu le setup, franchement voilà, c'est juste magique, en plus hop, orienter comme on veut, c'est plutôt beau, c'est plutôt beau. Tac. Je pense que là on est bien pour enregistrer, pour jouer, on est plutôt pas mal. Donc voilà, bon, maintenant je pense qu'on va pouvoir enfin aller chercher Kitsu. D'ailleurs je vais vous montrer vite fait, hein, ça sert à rien bien sûr. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas un vlogueur professionnel, mais les vlogs c'est un style de vidéo que j'apprécie pas forcément du tout. Je vais pas montrer ça. Mais j'ai fait le plein. Pour vous donner un ordre d'idée, mon frigo il est quasiment toujours vide. Hein, quasiment, et là j'ai fait juste les petits 9. J'ai fait juste le plein. Donc on va aller le chercher et je pense que ça va être bientôt. Il a oublié sa veste.
J'ai fait un reportage sur les animaux de prairie. Un peu froid aussi. Ah, faut bien claquer. J'ai préparé cette phrase depuis ce matin. Ah, c'est ça. En avant, chauffeur. Voilà. Merci. Pas loin normalement, donc je ne sais pas où précisément, je pense pas que ce soit ça. Alors est-ce que c'est possiblement la voiture arrêtée? 135, c'est ça, donc je ne suis pas ok. C'est bon, il est là, très bien. On va y aller en mode YouTube game. Ça fait bizarre, t'es un peu petit. Oui, ça fait chelou, oui. T'es moins petit que ce que je pensais, mais ça va. Souriez, vous êtes filmé. Souriez. J'ai peur. J'ai pas la... Non, mais... Non. Je sais. Mais... Attends, il manque une.